Mon père était moitié alsacien, moitié lorrain. Ma mère est d'origine parisienne et très peu marseillaise et un peu lyonnaise. Mais ma grand-mère, toute jeune, à pied, a fui l'Alsace occupée en 1970 et elle a appris, bien sûr, à résister aux Allemands, aux Boches, comme on disait à l'époque. Et pendant la guerre, mes parents ont aidé beaucoup de monde, surtout à partir de 1943. Mon père soignait, était chirurgien dentiste avant moi, il aurait voulu être professeur d'allemand, mais on ne lui a pas donné de bourse. Il a soigné le rabbin Kaplan, le pasteur de Purie et le curé du Point du Jour. Ce qui fait que tous ces gens-là lui ont envoyé des gens qui se cachaient. Nous avions beaucoup de place au Point du Jour, 11 pièces, et il y avait 4 ou 5 pièces réservées aux réfugiés. C'est ainsi que, sans aller au STO, les jeunes avaient une carte comme quoi ils étaient au STO et donnaient toute satisfaction dans la ferme Wagner, tel que vous voudrez au sud de Munich, mais qu'ils venaient en France se faire soigner pour une maladie importante. Il devra rentrer, dit-il écrit en langue allemande, dès qu'il sera guéri. Etc. Et mon père écrivait en gothique. Personne en France ne savait écrire le gothique. Il écrivait en langue allemande, mais en gothique. Il est évident qu'il ne pourra rentrer que lorsqu'il ne sera plus contagieux, souligné 3 fois contagieux. Il ne s'agissait pas d'aller donner des microbes à la race germanique. En juillet 1943, je devais partir au chantier de jeunesse le lendemain. J'en ai profité pour donner des cartes d'identité toutes prêtes, toutes tamponnées, avec des cartes d'avant-guerre, bien entendu, des timbres d'avant-guerre, bien entendu, et des cartes d'alimentation, parce que je soignais une brave dame dont le mari était prisonnier, qui était au ticket d'alimentation. On avait autant de tickets d'alimentation qu'on voulait pour nourrir les gens qui étaient chez nous. Il descend du tram, je descends du tram, il monte dans le tram et on se passe le colis sans se dire bonjour. Rue Belcordière, j'ai senti en regardant à gauche, en regardant à droite, ayant à l'époque un regard presque 360 degrés, que j'étais suivi par un homme au grand ciré, vous savez, beige. Je m'arrête, c'était après le progrès, c'était des boîtes de nuit à l'époque, mais c'est des boîtes de nuit maintenant, pardon, je m'excuse, et c'était des marchands de bouchons à l'époque. Je vois les bouchons, je fais d'y mettre à nouveau des bouchons, non plus de pêche, mais pour les tonneaux. Il s'arrête, j'ai dit bon, je suis suivi, tu l'as pas vu. J'ai tombé mes clés, je les ai ramassées, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Et au passage qui va très près du ciné-journal, j'étais champion de course à pied. J'ai couru à toute vitesse pendant ma marche, il était seulement au début, j'étais déjà à la fin, c'était bien la Gestapo. Et j'ai appris que mon camarade que je venais de voir avait été arrêté dans l'heure qui suivait et il a fait 2 ans de Buchenwald. J'ai reçu au chantier de jeunesse un mot que je n'ai pas écrit. J'ai reçu un mot, n'écris plus à François, c'était son surnom. Il est comme Henri, malade pour longtemps et hospitalisé, c'est pas la peine de lui écrire. Ça voulait dire, en termes cachés, qu'il était arrêté. Je suis né le 7 janvier 1923. 11 mois et demi après ma sœur. Et on sait très bien que la gestation de l'enfant se passe dans de mauvaises conditions quand c'est si précoce. Je suis né normalement avec 15 jours de retard. Heureusement, sinon j'aurais été de la classe 42 du STO. Ces 7 jours m'ont beaucoup aidé. Mais il faut reconnaître que j'ai toujours été très petit. Une tête de moins que les autres, j'en ai le complexe. Jusqu'à 16 ans. Je n'ai grandi qu'à 16 ans. Et des médecins à 14-15 ans m'ont donné des extraits thyroïdiens qui étaient une première à l'époque. Je n'ai grandi, après ça a déclenché ma croissance. On prenait mon frère de 2 ans de moins pour l'aîné des deux. Et à l'école, quand on se moquait de moi, je me battais immédiatement. Et comme mon frère aîné m'avait appris à me battre, qui avait 3 ans de plus, on se battait tout le temps à la maison en jeu, sous forme de jeu, je cabossais toujours les gens. On s'est moqué de moi dentaire, j'ai fendu le front, il a une cicatrice au front. On s'est moqué de moi au chantier de jeunesse, je lui ai cassé la clavicule pour vous dire que j'étais un hargneux, un affreux jojo, comme l'on dit actuellement. Mais je dois cette hargne d'avoir eu toujours la volonté d'arriver, d'être premier, premier dans les écoles, premier ensuite en sport.
Le traitement des gueules cassées était long. Jean Brugirard et le Canadien Harwood l'aidèrent jusqu'en 1920. Ce dernier, cofondateur de l'école, passa même le diplôme français à 45 ans, le 14 octobre 1928. Le palais de verre fut inauguré par le président Herriot. Grand hall, salle de soins, salle de prothèses, où Félix Quinet a succédé au professeur Soulard. En plus des anciens, de nouveaux noms apparaissent, Durif, Grenier, Reboulet, Rourjourdain, etc. Dès 1930, les mécaniciens dentistes pouvaient en 3 ans obtenir le diplôme de chirurgien dentiste. J'ai fait dentaire par amour. Depuis l'âge de 7 ans, je vais être dentiste et je déambulais dans le laboratoire. Mon père avait un laboratoire de prothèses, ce qui est très rare, et je faisais des petits bonshommes en cire qui rentrent dans les bouteilles, qui descendent et qui remontent. La passion de mon métier, de 7 à 77, c'est maintenant terminé. Cinquantenaire d'école dentaire qui était en même temps un congrès d'orthopédie dentofaciale européen. Tout le monde était spécialisé, lui en imprimerie, lui en hôtellerie, lui en ceci, lui en cela. Et il restait une cinquième branche pour moi, qui n'était rien du tout encore, projection, cinéma, film souvenir. J'étais affolé sur le moment. D'accord, j'avais une petite caméra Erxam 9,5 mm, mais je connaissais un jeune étudiant dont mes parents connaissaient la famille qui était dans la soirée, qui s'appelait Lafay, et cet étudiant m'a dit « mais il faut aller prendre des cours au Cinéal ». J'ai donc pris 2 ans de cours, une fois par semaine, le mercredi, au Cinéal pour apprendre ce qu'était l'objectif, ce qu'étaient les profondeurs de champ, ce qu'étaient les déplacements à gauche, à droite, comment faire des fondus au noir, fondus enchaînés, fondus, etc. Et j'ai pu faire un joli film en 1949, un film souvenir qui a été projeté à Rome l'année d'après. C'est à l'école dentaire de Genève qu'il alla apprendre la dentisterie. Il y rencontra Gaspard Guillot, communard exilé, qui, revenu en France, a choisi Lyon pour fonder, avec l'aide des syndicalistes, un dispensaire et aussi une école dentaire. Les locaux de la rue Vaubocourt, trop exigus, ne serviront que 2 ans avant d'être transférés quai de la Guillotière. Là, jusqu'en 1928, soins et enseignements dentaires furent dispensés. Pour moi, Chamonix et sa région, c'est la Mecque de la montagne. Mais c'est aussi la Mecque, parce que j'étais plus skieur qu'alpiniste, c'est la Mecque du skieur de haute montagne. Après avoir fait de nombreux sommets tout autour alentour, c'était aussi une zone d'entraînement pour aller faire à l'étranger, à partir de 1954, des hauts sommets dans le monde entier. J'ai fait, vous le savez, 12 sommets de 6000 mètres dans ma vie. C'est pas mal pour un petit amateur, mais j'ai toujours réfléchi avant d'y aller. C'est-à-dire que nous faisions le Mont Blanc à 2 ou 3. Sur 70, on n'était que 3. Mont Blanc, Mont Maudit, Mont Blanc du Tacu, Aiguille du Midi, en 12 heures, donc dans la journée. Hein. Des années 48, où j'ai commencé à faire du ski, aux années 64-65, je suis venu à Chamonix, peut-être pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours, pour faire la piste, pour faire la vallée blanche, pour faire certaines montagnes et des pistes latérales réputées très difficiles, ce qu'on appelle peut-être des pistes extrêmes, vous voyez, pour monter, pour descendre, pour faire les 3 cols, qui est une petite merveille, hein, et pour aussi partir jusqu'à Zermatt. 2 fois, je suis parti à Chamonix pour faire Chamonix-Zermatt par la voie suisse et par la voie italienne, qui est moins skiable, mais plus alpine. Quand le club alpin à préparer une expédition au Kilimandjaro, je me suis dit, ça me plairait d'y aller. Mais je me suis senti petit garçon. Il fallait que je m'entraîne. Je me suis donc entraîné au Mont Blanc, Mont Maudit, Mont Blanc du Tacu, le Grand Paradis, etc. Puis dans un caisson de décompression,
pour aller à 6000 mètres d'altitude et faire du vélo à 6003. Les médecins m'ont dit, tu seras en bonne forme, tu ne bats qu'à 80 cette altitude, tu feras le sommet sans problème. J'ai donc parti au Kilimandjaro avec ma grosse caméra et j'ai filmé, courant devant, attendant, comme un chien fou. Ils ont tous dit, il n'ira jamais au sommet. Or, j'étais au sommet qui fait presque 6000, il dépassait 6000, maintenant il ne les fait pas. Toujours en courant devant, en allant derrière, en filmant tout le monde. Ce film a été passé sans la rameau pour M. Louis Pradel, maire de Lyon, qui nous avait donné un peu d'argent. Ils ont tous été enchantés. 2 ans après, nous sommes allés au Pérou. Pour avoir la forme physique pour faire des 6000 mètres, il faut évidemment s'entraîner. Il faut s'entraîner d'abord à avoir de bonnes jambes. Quand je n'ai pas le temps de faire la montagne, je monte sur les flancs de Caluire, le premier escalier, je descends par le second, je monte le troisième en courant, je descends sans courir, je monte le quatrième, le cinquième, je fais 6 ou 7 escaliers de suite. C'est un bon entraînement. Ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite s'entraîner à l'altitude. L'entraînement à l'altitude, c'est aller dormir à l'Aiguille du Midi. J'ai dormi dans les couloirs de l'Aiguille du Midi, dans mon sac de couchage. J'ai dormi dans le refuge des Cosmiques, en dessous, qui appartenait au CNRS. Et j'avais gratuité chez eux, qui était transformé, qui est tout moderne. Avec Claude Rey, nous avons construit un igloo au pied du géant. Nous avons dormi dans un igloo que nous avons fabriqué nous-mêmes. Il fallait que nous apprenions. Ça, c'est le deuxième entraînement à l'altitude, pour faire les globules et se préparer avant. Soy del bello.
la même chose, j'ai présenté mon film Sale Rameau, et à partir de là, les copains m'ont dit, mais tu viendrais pas faire une première en Afghanistan avec nous? Dubois et Jean m'ont dit, mais viens donc. C'était les bras droits de Lionel Terray, là aussi, je me suis senti petit garçon à côté d'eux. J'ai dit, mais je ne suis pas capable de suivre les verticales que vous ferez. Tu seras au milieu, l'un sera devant, l'autre sera derrière. Et ainsi, nous avons fait, pour moi, ma première, le Coil Arch, dans le Varan, en Afghanistan. Bon, je m'appelle Louis Dubost. J'ai participé à de nombreuses expéditions en tant qu'amateur. J'étais industriel. La première fois que je suis parti en Himalaya, c'était en 1951, pour tenter une traversée qui n'avait jamais été faite à l'Ananda Devi, dans laquelle on a perdu deux de nos copains. Et cette année, c'est justement le 50e anniversaire de la disparition de nos amis. Ensuite, j'ai participé à plusieurs expéditions en Himalaya et dans d'autres parties du monde, mais aujourd'hui, je crois que je vais parler de mon ami Jacques Brugirard, parce que nous avons ensemble gravi deux sommets, deux premières, une en Himalaya et l'autre dans l'Hindou Kush, qui est la partie dans l'Afghanistan, qui est sur la route de la soie. En Afghanistan, il y avait une partie qui a été interdite pendant des années, c'est le Waran. Et en 1968, j'ai eu la possibilité d'avoir une autorisation pour aller gravir des sommets ou un sommet au Waran. J'ai donc organisé cette expédition et j'ai été très heureux d'avoir avec moi comme compagnon Jacques Brugirard. Les grands spécialistes de l'alpinisme voulaient faire le Shah Kaur, qui est un 7000 mètres à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Mais l'année d'avant, nous sommes allés faire une antestime, si l'on peut dire, un petit sommet qui fait presque 6000 mètres, 5600 mètres d'altitude, qu'on appelle le Coil Arch. Et les bras droits de Lionel Terray, Dubois et Gendre, ont fait toute la préparation. Ils étaient tout curieux que je les suive et surtout que je les filme. C'est ce qu'ils voulaient. Ils m'ont emmené comme cinéaste. Jacques Brugirard est un alpiniste que je connaissais depuis longtemps, bien sûr, pour avoir fait de la montagne ensemble. Et surtout, c'est un excellent cinéaste. Nous lui avions donc demandé de nous accompagner, tenter le sommet avec nous et aussi de faire le film de cette expédition. De base, au village de l'Arche, donc, nous avons choisi des porteurs, mais ils voulaient absolument qu'on continue à 40 km de là. Il y avait déjà trois jours que nos trois jeeps marchaient avec des réserves d'essence. Il n'y a pas de poste d'essence dans tous ces chemins et les rivières de la Moudaria. On ne voulait pas. Ils nous ont menacé de nous couper le cou. Nous avons sorti un fusil, caché dans nos affaires, il ne fallait pas le dire, mais il fallait passer la douane sans problème. Un pigeon est passé, on a descendu le pigeon. Madame Dubot, dont les parents tenaient des stands, quelquefois, achetait une boîte à conserve en l'air, avec son revolver, caché aussi dans nos bagages d'alpiniste, elle a descendu la boîte à conserve. Moi, j'ai pris mon couteau, au chantier de jeunesse, j'ai visé la moustache de Pétain, et tac, j'ai lancé mon couteau dans un arbre, et j'ai fait semblant de ne pas pouvoir le retirer. Ils nous ont plus rien dit. Mais on a mis une tente avec une couverture qui semblait à un être humain.
et une lumière toujours allumée. Et nous nous sommes postés, le fusil, le revolver, en trois tentes tout autour alentour. Le lendemain, ça s'est tout arrangé, on est parti faire viser nos visas alors qu'ils n'avaient pas lu qu'on avait une autorisation du roi. Ils ne savaient pas lire, on est allé pour rien faire 80 km, ce qui fait qu'une Jeep est tombée en panne. Voilà l'histoire des porteurs afghans. Nous avons grimpé avec des yaks jusqu'à un endroit qu'on pourrait appeler le camp de base, mais ensuite nous avons monté tout le matériel et tenté l'ascension et réussi l'ascension tout seul, uniquement avec les alpinistes français. En 1972, avec un guide réputé et connu qui a d'ailleurs fait des grands sommets après, Yannick Seigneur, nous avons fait un petit pic de 6000 à peine, le Yalang Peak au Népal. Mais Yannick Seigneur y allait pour surtout voir ce qu'était en face le Taboche, sommet vierge, qu'il avait manqué à cause de crevasses et que les Allemands et les Japonais n'avaient jamais pu faire. Bah, j'ai commencé par. J'ai fait des études, après j'ai grimpé dans le Vercors où j'ai ouvert pas mal de voies. Et puis, parallèlement aux études, j'ai commencé à faire un peu l'aspirant guide en me disant, bon, ça peut servir, quoi. Je payerai moins les téléphériques. Puis ça m'a plu, quoi. Dès que j'ai été sur un rocher, ça m'a plu. D'ailleurs, j'ai commencé à grimper à Lyon, à Roche-Taillé, Roche-Corbière, enfin tout ça, quoi. Et donc, je me suis mis à grimper. Après, j'ai fait l'armée, l'IHM. Je suis devenu guide, et puis après j'ai continué de grimper, ouvrir des voies patous en hiver. Et après l'Himalaya, comme là, quand les Alpes, on a un peu tout fait. Pas tout fait, mais ce qui est le plus beau, il reste l'Himalaya, donc je suis parti en Himalaya pendant 12 ans, et puis j'ai fait un paquet de 8000. Et puis voilà, quoi. Puis après j'ai fait un métier de guide, puisque j'ai lâché mon travail d'ingénieur que j'avais pendant 5 ans. Et puis j'ai fait le métier de guide, et puis comme guide, on ne gagne pas assez sa vie. Conseiller technique, donc conférencier, faire des films, quoi, producteur, scénariste, tout ce qu'on veut. Nos amis Dubost, Gendre, avec qui j'avais déjà grimpé, enfin avec Loulou Dubost, j'avais déjà grimpé. Puisque c'est des aînés pour moi, puisqu'ils ont été en âge des vies et tout ça. Ils ont écrit des bouquins avec du plat, vigne, etc. Donc c'était un peu des aînés, et je les ai connus un peu, pas quand je grimperais très fort, mais après, pour des expéditions et tout ça. Et puis ils m'ont fait connaître Bruce Girard, qui avait un avantage, donc qui était bon montagnard, mais qui avait un gros avantage, c'est qu'il te filmait.
est évident que, voulant faire de la haute montagne, j'ai toujours été obligé de passer par des guides, des organisations. Et la plupart des grands guides de Chamonix ont été mes guides. J'ai un guide qui m'a entraîné en 65, d'autres en 64, mais c'est surtout le premier par ordre chronologique, je le dis bien. Hein. Le premier, c'était Yannick Seigneur, qui a quand même fait plus de 3 ou 4, 8000 et qui a tenté la voie directe des Français sur le K2, le K2, vous voyez, qui fait quand même 8005 tout de suite après l'Everest, vous voyez. Et ça s'appelle la voie des Français. Il nous a emmenés deux fois, une première fois pour nous entraîner, faire le... C'est un nom, peu m'importe. L'Island Peak au Népal, mais c'était parce qu'il voulait faire ensuite un sommet vierge qu'il arrivait manqué, que les Allemands avaient manqué, que les Japonais avaient loupé, pour dire le mot exact. Et en 74, en revenant de l'Everest, nous n'y étions pas, il a fait le tour en hélicoptère de ce Taboche, pour ne pas dire son nom, et il a vu par où il fallait passer. Nous sommes donc revenus en 1974 avec Yannick Seigneur et un autre guide jusqu'au camp de base du Taboche, qui était un lac qui n'est d'ailleurs même pas marqué sur les cartes. Vous voyez. Et Yannick a choisi une voie un peu plus raide au début, avec des camps intermédiaires. Il a installé des cordes sur un mur de glace, où là, je crois que c'était un petit peu trop dur pour moi. Jumard droit, jumard gauche, les pédales dessous, les crampons, seulement les crampons avant qui crampaient dans le mur. Et nous avons pu ainsi, après un pont de neige sur une rimée, sur une grande crevasse, mais il y avait une corde toute installée, j'ai passé à par compter très doux sur cette, et on a pu faire le sommet. On est parti, donc si c'est pour l'expédition du Taboche ou Taoche, là, 6500, je ne sais pas combien, 42 mètres. Donc j'avais vu cette montagne qui était très belle et j'avais envie de faire une expédition dessus. C'était une sentinelle au milieu de deux vallées, là, vraiment juste avant l'Everest. Et c'était très beau. Et alors j'ai donc monté une expé, demande d'autorisation, tout ça, qui avait la marche à peu près. Et puis comme il y avait donc une belle voie de montée, il y avait aussi une belle voie de descente, un grand couloir de neige. Je m'étais dit, tiens, bah, si ça pourrait intéresser un skieur et tout. Donc, on avait monté une expé. Donc, en partie grimpeur et puis un skieur. Et avec Ombre Girard comme caméraman. Et puis, il y avait aussi Vernadet qui était venu pour le skier. Et donc, tout s'est bien passé. On a grimpé, on a monté. Un peu aidé par les Sherpas au début. Puis après, on est arrivé au sommet. Et je crois en jour de beau, vous voyez. On était entre le Shoyu, l'Everest, l'Otse, le Makalu. Donc c'est un belvédère fantastique, quoi. Comme en oisant le Pic Coolidge, quoi. Pareil. Mais enfin, une montagne, c'est beau, on la grimpe et tout, mais c'est tout ce qu'il y a à côté, les Sherpas, les... On avait été reçus à Tiangboche, donc le monastère qui est juste en dessous par le Panchen Lama, qui nous avait bénis et tout, pour avant de partir dans la montagne et tout. Donc tout était bien, tout s'est bien passé, sauf au retour. Ou soi-disant, il n'est pas les mêmes, ils m'ont dit vous n'ayez pas l'autorisation, il faut payer des royalties, puisqu'on paye pour les sommets, c'est normal. J'ai payé ma royalty, on est revenu.
puis ils ont attendu qu'on soit revenu en France pour nous... Moi, ils m'ont interdit de séjour pendant 8 ans au Népal, et les autres, 3 ans. Ce qui fait que pendant 8 ans, j'ai été soit au Pakistan, soit au Tibet. Puis après, je suis retourné au Népal. Là, je suis retourné au Népal quelques fois déjà, mais pour faire des petits sommets. Là, on avait vu, donc avant d'arriver au camp de base, surtout les traces du Yéti. Et donc, on les a dans le film et tout, c'est extraordinaire. Donc, cet animal, homo sapiens ou pas, j'en sais rien, qui est monté, puisque avant d'arriver au camp de base, c'était quand même assez compliqué, donc j'ai été monté tout seul, moi, la veille, pour arriver au camp de base, pour voir, repérer, il y avait un lac et tout ça. Donc, je suis monté, j'ai fait des traces dans la neige. Je suis redescendu et le lendemain, on est parti avec les Sherpas et tout pour installer le camp de base. Et c'est là qu'à côté de mes traces de pas, il y avait les traces du Yéti, donc qui étaient passées pendant la nuit. Les bons grimpeurs, on dit qu'il n'y a pas de mauvais, grimpeurs. Les mauvais grimpeurs, ils sont morts. Les bons grimpeurs, c'est les vivants qui restent, c'est tout. En Himalaya, ça change un peu les données parce qu'on ne revient pas tellement si facilement. Et alors, ce qui fait qu'en Himalaya, des fois, on prend plus de risques que dans les Alpes. Ça, je l'avoue, moi, j'ai pris quand même bien plus de risques que dans les Alpes. Mais on est un peu embringué dans le système, puis on dit « Oh, ça va passer ». Ce qui est un peu un tort, mais bon. J'ai fait connaissance au Club Alpin de Claude Rey, un guide spécialiste du Spitzberg, à qui j'avais prêté même une caméra une fois, et qui m'a dit « Tu viendrais pas faire le McKinley et tu nous filmerais ?» Et j'étais d'accord. Eh bien, j'ai été membre du Club Alpin, j'ai dû faire des sorties avec lui, alors c'est dans la nuit des temps, au Club Alpin à Lyon, et ben, on s'est connus, et puis on a sympathisé. Et j'ai dû faire un peu du ski de randonnée avec lui dans mes premières années de guide, et puis tout naturellement, comme c'est quelqu'un qui était toujours en train de vouloir aller se balader à gauche et à droite, lorsqu'on est parti au McKinley en 75, ça fait un moment, eh bien on lui a fait signe, est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous au McKinley? Évidemment, il ne s'est pas fait dire deux fois. Si on voulait aller au McKinley à pied, bon, on pourrait évidemment, mais ça serait quelque chose de gigantesque au point de vue expédition, enfin qui demanderait plusieurs mois parce que les glaciers sont très longs. D'abord il y a la toundra, il y a des marécages, il y a toute une végétation de ces régions nordiques à traverser pendant des kilomètres et des kilomètres, ensuite remonter les glaciers indéfiniment. Donc la solution que tout le monde utilise, c'est de se faire poser en avion à environ 2200 mètres d'altitude, et de là, eh bien, on remonte plus rapidement. Autant que je me souvienne, on a dû mettre dans les 14 jours pour faire le sommet.
Alors que si on était parti d'en bas, je n'ai pas d'idée précise, un mois et demi au moins. Hein. Un mois et demi est quelque chose de vraiment très très dur, parce qu'il faut transporter un mois et demi de ravitaillement, le matériel technique, tout ça. Donc c'est vraiment très très dur. Tandis que là, en avion, bon, on se fait poser avec le matériel, on charge tout le matériel dans les poulkas qu'on tire et on monte progressivement en altitude. En fait, la plupart des Américains faisaient le McKinley, non pas à ski, mais en raquette. Parce que, ben, je ne sais pas pourquoi, le ski, en tout cas à l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas du tout utilisé au McKinley. Et nous, on a eu l'idée de le faire à ski, parce que, ben, on est skieur. Hein. Et puis, comme dans toutes les régions polaires qu'on avait fréquentées jusque-là, on avait utilisé des poulkas, ces traîneaux d'origine suédoise, hein, ce sont des traîneaux lapons, hein, les poulkas. Eh bien, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller au McKinley avec des poulkas? Alors, ça a été un petit peu quelque chose de nouveau, et on a eu du mal d'ailleurs à convaincre le pilote qui nous posait sur le glacier en haut de bien vouloir embarquer nos poulkas. Ce sont des tout petits avions, hein, 4 personnes, parce qu'ils n'avaient jamais vu de gros traîneaux comme ça. Les Américains qu'on a pu voir là-bas avaient un matériel un peu hétéroclite, des espèces de luges, je dirais pas des cuvettes, mais enfin presque, hein, des luges qui traînaient avec une ficelle où ils mettaient une partie de leur matériel, une partie dans le sac, tandis que nous on avait l'habitude au Spitzberg essentiellement de tout mettre dans la poulka, et ça permettait d'aller, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, et ça permettrait de transporter beaucoup plus de matériel. Le vrai acclimatement ou acclimatation, comme vous voudrez, il ne faut pas discuter sur les mots, c'est en réalité les dents de scie. Longtemps, on a cru qu'en montant lentement, petit à petit, on allait s'adapter au manque d'oxygène. C'est inexact. On fabrique des globules à une certaine altitude, mais qui ne sont pas aptes à porter l'oxygène. Il faut donc redescendre de 500, si c'est pas de 800 à 1000 mètres, pour que ces globules deviennent des globules valables. Mais nous, on faisait des petits sommets entre-temps. On montait progressivement avec notre charge. On faisait un petit sommet sans sac et sans traîneau. Et ainsi, nous avons pu nous adapter à la haute altitude jusqu'au camp de base, situé après Windy Corner, à 4500 d'altitude à peu près. McKinley par la voie normale, hein, puisque cette fois-là on l'avait fait par la voie normale, c'est quelque chose d'assez peu technique. Hein. On est monté avec les traîneaux, là, avec les poulkas, on est monté jusqu'à 4005 environ, hein, et puis quand on peut tirer des poulkas, c'est quand même pas très très difficile. Ensuite il y a une pente à 45 degrés sur environ 800 mètres, puis un éperon relativement facile, puis encore une pente un peu raide, mais pas de grosses difficultés techniques. D'ailleurs, quelques années avant qu'on y aille, Sylvain Sodan l'avait descendu à ski. Hein.
je trouve que sa caractéristique première, c'est une grande résistance. C'est un petit bonhomme dont on pense qu'il n'ira pas très loin. Et il y a une très très grande résistance. C'est, je sais pas où il puisse ça. Moi personnellement, je l'ai vu souvent en meilleure forme que moi, en altitude en particulier. Quand on est sur une montagne, en général, et sur une grosse montagne en particulier, loin de tout, on est très très peu de choses. Voilà, je crois que c'est ça la philosophie qu'il faut en tirer. Une énorme expédition, comme on n'en fait plus maintenant, qu'on appelle les expéditions Mammouth, a été organisée par le président du Club Alpin du moment, vous voyez, avec 12 guides professionnels et 12 amateurs dont j'étais. Moi, c'était la caméra qu'on emmenait, vous le savez bien. Il y a eu 320 porteurs. Au Nanga Parbat, les trois quarts, alpinistes professionnels ou amateurs comme nous, sommes arrivés à 6003 où il y avait des tentes et une grotte de glace. Mais deux seuls, Claude Jagère et Luc Jourjon, ont continué faire une première, un 7000 mètres, avec de la neige jusqu'au thorax, tellement il y avait de la neige. Et c'est là où j'ai fait connaissance de Claude Jagère, qui m'a entraîné après dans d'autres expéditions, et de Luc Jourjon, qui lui a fait la Madablan, les 8000 et l'Everest. C'est en Himalaya que nous sommes allés en 79 au Nanga Parbat, c'était une expédition, j'allais dire, mammouth encore. L'une des dernières expéditions, enfin des années 70, où on partait forte équipe, mais surtout avec beaucoup, beaucoup de matériel et d'équipement. On devait recruter des centaines de porteurs. Au lieu de gravir une face de 3500 mètres de hauteur, où on aurait pu équiper en corde fixe et faire quelque chose, disons, de très raide, c'était un parcours qui était extrêmement long. Il fallait gravir plusieurs sommets de 7000 qui étaient vierges. Et ces fameux pics Masno, eh bien, poser quand même des problèmes, parce que lorsque vous êtes sur le premier pic, il faut redescendre, faire le suivant, etc. Et là, nos camarades n'étaient pas du tout préparés à affronter ce type de terrain. Et dans notre équipe, eh bien, il y avait, heureusement pour nous, Jacques Brugirard, c'était le caméraman, mais ce n'était pas seulement le caméraman, c'était d'abord un ami, un bout en train qu'on a bien apprécié. Il est une expédition dont je ne vous ai pas parlé, parce que ce n'est pas un 6000 mètres. C'est l'expédition dans l'île Jean Mayen et le volcan qui est au centre. Dirigé par Lucien Caillot, qui a longtemps fait l'Antarctique avec Paul-Émile Victor, il m'a demandé avec un confrère de Bourque de bien vouloir l'accompagner. L'île de Jan Mayen est située dans l'océan glacial arctique. C'est une île volcanique de la chaîne médio-atlantique qui a près de 8000 km de long. Et cette île constitue le dernier jalon de cette structure dont l'importance est capitale dans la théorie de la dérive des continents. Le Barenberg est le point culminant de cette île. Oui, c'est un grand honneur que Paul-Émile Victor ait bien voulu sonoriser, parler, commenter mon film.
notre film. Mais c'était un ami de Lucien Caillot. Lucien Caillot avait passé 6 mois avec lui en Antarctique, il se connaissait très bien. Et c'est Lucien Caillot qui a voulu et qui a demandé, il a dit oui tout de suite. Évidemment, le commentaire est une merveille de commentaire, beaucoup mieux commenté que par moi-même. L'équipe de 1972, qui est placée sous l'égide du Club Alpin Français, est composée de 6 personnes. Lucien Caillot, qui est l'organisateur et le responsable, c'est un vétéran de l'Arctique et de l'Antarctique. Jacques Payot, financier, mais d'un calme toujours parfait. Jean-Bernard Pitre, un spécialiste des sciences de la Terre. Louis Trosset, botaniste savoyard fraisé moulu de son université. Jacques Brugirard, dont la caméra s'est promenée sur tous les sommets du monde. Et enfin, le Benjamin de l'équipe, chargé de l'équipement, Bernard Pella. Nous sommes donc allés en Islande et sommes remontés jusqu'au nord à Akureyri, où là, Lucien Caillot avait loué un bateau pour nous 6. Il y avait 6 personnes sur le bateau et 6 passagers. En 3 jours, on a atteint l'île Jean Mayen sans problème et le bateau nous a attendus dans une crique. Il y avait quand même de la police qui nous attendait, police danoise, parce que ça appartient au Danemark. Pourquoi ? Parce que les Américains avaient installé des surveillances des sous-marins russes de l'autre côté de l'île. Nous sommes montés sans problème, avec l'autorisation bien sûr. La fin, c'est un glacier très facile qui monte progressivement, un peu comme le Kilimandjaro qui sera enneigé jusqu'à sa base. Aucun problème. Mais ce presque 3000 qui crache encore du feu vaut largement les 6000 mètres parce qu'il est au-delà du cercle arctique dans des zones ultra froides. La montagne était pour moi un violon dingue au début, mais rapidement je me suis aperçu que c'était mon équilibre. Faire 10, 11, quand ce n'était pas 12 heures de cabinet dentaire, d'hôpital pour les blessés de la face ou les cancéreux, il faut se défouler ailleurs. Et pour moi, mon défoulement, mon équilibre, je le répète, c'est la montagne, la haute montagne.